Bonjour. Donc la présence de Caen au CIMI, c'est la volonté d'être sur le lieu où, the place to be, comme on dit, c'est-à-dire le lieu où tout se passe, où vous avez la possibilité de rencontrer tous les acteurs de l'immobilier, qu'il s'agisse de l'immobilier, de toutes les formes d'immobilier, et avec aussi la volonté pour Caen de se vendre à l'extérieur et aussi de présenter un projet extrêmement emblématique et qui exprime un peu notre volonté de dynamiser la ville, la communauté urbaine, avec ce projet en hypercentre qui consiste à créer une halle gourmande, un espace de commerce, un espace de coworking pour valoriser un site qui était resté aujourd'hui une sorte de vulgaire parking de surface et qui va nous permettre non seulement de boucler le secteur piétonnier, avoir une vraie boucle piétonne, mais aussi d'offrir des nouveaux espaces pour des marques que nous ne pouvons pas accueillir à Caen parce que nous n'avons pas les surfaces pour les accueillir. Hein, et puis dernier point, accompagner en fait autour de ce projet tout l'embellissement de l'hypercentre sur lequel nous allons mettre peu ou prou à peu près une vingtaine de millions d'euros pour rénover les espaces publics qui pour un certain nombre sont assez datés et c'est en fait un centre-ville complètement rénové que nous offrirons à tous les clients potentiels, à tous ceux qui veulent fréquenter un centre-ville de qualité à l'horizon 2020.